Il est ici, là. Alors ça, c'est le poste Draker, alors. Il est ici, oui. Il faisait partie de la force française d'interposition à Beyrouth, votre fils? Ouais. Il a su les blessés, là. Est-ce que vous avez eu, par ses camarades de régiment, plus de détails autour de la mort de votre fils lors de l'attentat? Ben, ils ont dit qu'ils étaient de garde. Puis moi, il y a un copain, lui, il m'a dit... il l'a monté sur le toit, il l'a mis de garde. Et puis il a dit, écoute, moi, je remonte plus parce que c'est trop haut. Puis il m'a dit que c'est quand il est descendu au premier, et c'est là qu'il y a eu l'explosion. Cercueils à Beyrouth aussi. Voilà. Et bien là, c'est le jour de la cérémonie qu'ils ont fait aux Invalides. Lui, il est là. Vous voyez, son cercueil, il est là. Parce qu'il y a le premier rang, lui, il était dans les deuxièmes rangs. Là, il est. Bon, et là, c'est son cercueil avec Mitterrand quand il lui met la Légion. Là. Parmi les immigrés, ils pensent uniquement à travailler ici et d'envoyer ce qu'ils gagnent chez eux. Moi, je dis non. Si on vit ici, on doit rester ici, on doit bâtir ici, donc et construire notre vie ici. Évidemment, quelquefois, on a des problèmes d'insertion, mais on doit vaincre ça. Par faire des écoles privées où on peut avoir notre culture, où on peut toujours être attaché à notre caractère spécifique. Et en même temps, on a quand même des qualités humaines. Et avec les échanges et avec la société occidentale, ce rencontre entre oriental et occidental, ça nous donne pour l'avenir un avenir très très important. Tenez par exemple, ici en France, le monde occidental a besoin quand même d'un monde spirituel. Nous les orientaux, on a ce monde spirituel.
Mais en plus, au point de vue économique, nous représentons le pont économique entre le monde développé et le tiers-monde. Car tôt ou tard, la France, au point de vue technologie, elle a besoin d'exporter cette technologie dans le pays sous-développé. Et elle a besoin de passer par des gens qui puissent comprendre les deux sociétés afin de pouvoir transporter cette technologie. Donc, le projet de rester ici en France, c'est un projet de vie. Et ce n'est pas question d'intégration, parce qu'on est intégré, le fait qu'on travaille, qu'on a des voisins qui sont contents de notre présence, on est intégré parfaitement en France. Il a couru des bruits, il a toutes sortes de bruits. Ils font des collectes pour les subversifs, et bon, tout ce que l'on peut entendre comme, alors qu'on ne les connaissait pas. Et je dirais qu'il en reste encore pas mal de séquelles. Et pour beaucoup de gens, bon, ben, c'est la couverture, le commerce, c'est la couverture. C'est... Moi, je pense que de toute façon, il faut juger les hommes sur leur personnalité, sur ce qu'ils peuvent apporter. Ou... Pour moi, c'est un monsieur très bien. À le voir évoluer, à le voir vivre, il donne envie d'approfondir et fait poser des questions sur justement la religion islamique. Je pense que j'ai peut-être un petit penchant sur les études de ce genre de religions qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas la mienne. Et je... Il m'a donné envie d'approfondir la question, ne serait-ce que de lire le Coran si je peux. Et je pense qu'il est très intéressant, de toute façon, d'essayer de s'enrichir personnellement de la culture des autres. Et c'est par des échanges semblables que l'on peut déjà commencer à mieux comprendre les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas la même culture que vous. Quoi que l'on s'en défende, la religion, lorsqu'elle est très différente, pose de gros problèmes. Pascal, vous êtes française, vous êtes mariée à Bassam, je crois au départ vous étiez catholique. Est-ce que c'est votre mari qui vous a poussé à entrer dans l'islam? Ah, je ne suis pas du tout convertie par mon mari, oh là là, pas du tout. J'ai examiné plusieurs théories, plusieurs idéaux, politiques, religieux, etc. J'avais milité aussi à l'époque pour le MLAC. J'étais un petit peu gauchiste, quoi. Légèrement, pas trop. Hein. Ma réalité, c'est Dieu. Dieu, et puis, je suis responsable de mes enfants. Alors, c'est ma responsabilité, ça m'intéresse. Mais il n'y a que Dieu qui m'intéresse, en vérité. Dieu, le problème existentiel de la vie, de la mort. J'essaye de me réaliser, moi, d'être heureuse, moi. D'être en accord avec moi-même. Et je peux dire, franchement, que ici, en France, je vis à mon aise. Et content d'être musulman en France parmi les musulmans qui se trouvent en France. Alors, pour moi, l'intégration, la vraie intégration, ce n'est pas de perdre ma religion pour être intégré. Les juifs, ils sont bien intégrés en France. Les arméniens, les protestants, tout le monde, ils sont bien intégrés en France. Pourquoi les musulmans ne s'intègrent pas? Ce n'est pas parce qu'ils sont des musulmans. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'église, mais on va à la mosquée, c'est comme l'église, c'est pareil. Alors, donc, l'intégration, c'est un faux problème.
aucune expression de l'islam dans votre vie quotidienne? Honnêtement, vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît. Répétez-moi la question. L'islam. Oui. Est-ce que vous le vivez d'une façon ou une autre? Non, si vous ne le pratiquez pas, est-ce qu'il n'existe pas dans la sphère de votre vie quotidienne? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais athée et que j'avais une certaine pensée de la religion. Alors l'islam, ce qui fait défaut à l'islam, c'est Khomeini. Dans la tête des gens, j'en reviens toujours à dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, islam égale Iran, égale torture, assassinat, égale cette inquisition qu'a connue la France. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Mais l'islam, c'est pas ça. Non, mais attends. Les autres religions ont progressé. L'islam, pas. Ou peu. Et il est impossible aujourd'hui à un gosse de lui apprendre l'islam quand nos parents nous disaient qu'on n'ira jamais sur la lune parce que c'est le visage de je ne sais trop quelle mère sacrée, mais jamais un homme ne mettra les pieds sur la lune. C'est ce que j'entendais quand j'étais gosse. Donc aujourd'hui, je ne vois franchement pas la place de l'islam dans l'intégration d'un jeune. رسول الله إليكم جميعا أي الياء كحرف هذه يا أيه إليه أما كويل فهي كإني ويلنون وجميعا Est-ce que quelqu'un sait faire la prière? Personne ne sait prier? L'éducation islamique que j'ai reçue et qui remonte bien à 10 ans en arrière, je crois que j'en ai reçu une image assez dure parce que, je veux dire, l'éducation, vous recevez quand on était tout petit, pour moi, c'était assez dur. Puis par la suite, je veux dire, en grandissant, l'éducation, c'est mon père qui me l'a transmise. Et je dois dire que l'image, j'en ai reçu une image beaucoup plus douce et, disons, beaucoup plus tolérante. Mais disons que la religion islamique, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop. Oui, mais pourtant tu fais Ramadan et toutes les autres fêtes musulmanes, non? Oui, mais je parle au niveau, je veux dire, profond, pour moi. Je veux dire, ce que ça m'a apporté à moi, une sorte de sérénité, c'est vrai. Mais je dois dire que penser à l'islam, j'en ai pas reçu une éducation assez complète, je dois dire. Tu l'as reçu en terme d'exemple? Eh bien, je crois que c'était tous les soirs, très tard, pendant une certaine époque. Je me souviens, mon père, bon, il nous rassemblait tous autour de lui. Et puis, il nous commençait à nous raconter l'islam. Je veux dire, l'histoire de Dieu, de Mohammed, de toute l'histoire. Je veux dire, du début jusqu'à la fin. Maintenant, plus tard, si je me marie et que j'ai des enfants, je crois que je ferai des recherches et j'essaierai d'aller plus loin pour essayer, je veux dire, d'inculquer à mes enfants un peu plus de ce qu'il m'a inculqué. Un peu plus? Un peu plus, oui. Un peu plus et d'aller, disons, un peu plus profondément. Et je veux dire, en n'ayant aucune sorte de barrage entre nous.